Tu vas me parler un petit peu de 10 couples parfaits, tu sais pourquoi? Non, du tout. Eh ben parce que quand il y a eu la bifurcation de chaîne, tu sais, entre NT1 et TFX, Ouais. eh ben j'ai vu ta petite gueule, j'ai vu ta Ah, petite bouille à l'antenne dans une sorte de d'accord. bande-annonce. Ouais. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, ils ont officialisé que Céline était dans 10 couples parfaits saison 2. Bon, bah, on va en parler alors. Bah oui, parle-en moi un petit peu. Pourquoi tu t'es retrouvé là-bas? Alors, moi, je pense que c'est pas un secret pour c'est un secret pour personne. Les gens, ils m'ont vu dans ce mini teaser qui annonçait donc le changement de nom de NT1 à TFX. Voilà où ils présentaient les prochains programmes qui allaient inaugurer TFX. Et ils ont montré un court passage de 10 couples parfaits où on peut m'apercevoir. Donc forcément, vu que j'ai été médiatisé dans Les Princes, voilà, récemment, donc forcément les gens m'ont reconnu. Et donc du coup, voilà, c'est un tournage qui a eu lieu au mois de septembre, donc après Les Princes, et Et qui donc sera diffusé à la à la rentrée. rentrée. Donc voilà, vous pourrez me retrouver dans 10 couples parfaits saison 2 Saison 2. à Et la rentrée. alors, juste histoire de nous faire saliver, de nous mettre l'eau à la bouche, comment t'as vécu ce tournage? C'était un bon tournage, c'était une bonne expérience. T'es content de Ouais. ce que tu as donné? Ouais, super. C'était un bon tournage. Moi, j'ai kiffé. Tu penses qu'on va avoir des bonnes choses? Je peux pas dire. C'est compliqué, hein. Vous verrez, mais il va se passer des choses. Tu me diras pas alors si tu as trouvé l'amour à l'issue de ce tournage parce qu'il y a eu des rumeurs. Ouais. Ah, aussi. Ah oui, il y a eu des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs sur toi qui tournent, je trouve quand même. Ouais. Hein. Tu aurais rencontré une jolie demoiselle. Ah Ah bon? ben ouais. Comment s'appelle-t-elle? Ah ben ça, je l'ai pas le prénom. Ah. Mais bon, de toute façon, je me dis, est-ce que je lui pose des questions parce qu'il va me dire, je vous invite à regarder le programme à la rentrée quand il sera en ligne. C'est exactement ce que j'allais dire. Ben Voilà. voilà, tu vois. Rendez-vous à la rentrée et donc du coup vous découvrirez la suite de mes aventures.